Est-ce que tu peux me parler des lettres qui n'existent pas? Ah oui, c'est vrai ça, c'est une petite particularité de l'italien ça aussi. Ouais, en fait l'alphabet italien, il est quand même vachement plus court que le nôtre. Dedans, il y a 21 lettres. Je crois qu'en français, il y en a 26, 28, 26 je crois. Et donc, en fait, en italien, le K, le J, le W, le X et le Y n'existent pas. Et bon, alors quand je dis n'existe pas, tout est relatif, puisque en fait, c'est quand même des lettres qui sont utilisées, que les Italiens connaissent, notamment pour genre les mots étrangers. Par exemple, un taxi, ça s'écrira pareil avec un X. Le judo, pareil, avec un J. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le J en italien se prononce Y. Et je vois déjà un peu là tous les fans de foot me dire comment ça le J n'existe pas alors qu'il y a la Juventus, parce que ça c'est le truc qui revient à chaque fois. Il faut savoir que la Juventus, déjà en italien ça se dit la Juventus ou la Juve, et ça commence bien par un J parce que tout simplement l'équipe elle a choisi de prendre le mot latin Juventus qui veut dire jeunesse. Donc c'est pour ça que ça commence par un J, puisque la jeunesse en italien, on dit la gioventù avec un G. Et peut-être pour donner une image un petit peu plus parlante, peut-être plus simple, les prénoms par exemple, si on prend le prénom Julie, nous on l'écrira donc avec un J, alors qu'en italien il s'écrira G-I-U-L-I-A, pour garder justement la même sonorité que nous, et donc ça se prononcera Julia. Sauf que du coup, ce sera pas écrit avec un. Nous, on a eu une époque quand même où les Français, on adorait mettre des mots anglais genre partout. C'est encore le cas dans le monde de l'entreprise, mais ça devient c'est un peu moins à la mode qu'avant. Alors qu'en Italie, là, c'est le plein essor des anglicismes, ils en mettent vraiment partout, partout. Et quand ils pensent des anglicismes, si tu peux pas mettre de Y, on a un problème à un moment donné, tu vois. Et le K, pareil. Donc voilà, évidemment, c'est des lettres que les Italiens connaissent et qui sont dans les mots étrangers et qui s'adaptent, enfin, ils s'adaptent sans problème, quoi.